Il y a une difficulté, je trouve, qui est un peu persistante ces derniers temps. C'est cette difficulté que tu as à convaincre un programmateur quand t'as pas d'agent. Et je trouve ça naze, déjà, parce que moi je sais que quand je programmais, parce que j'ai fait ça pendant quelques années, c'était pas du tout ma méthode de travail. Après voilà, je pense que les agents doivent vivre et c'est un vrai métier, et être booker, c'est. Voilà, c'est. C'est des responsabilités, et des engagements, etc. C'est un métier, quoi. Mais au-delà de ça, là, une barrière, je trouve, quand tu parles d'émergence, tout ça, c'est. Tu veux passer un cap. Voilà, c'est ça, exactement. Si tu veux passer un cap, commencer quelque part, mais il faut bien que les gens t'accordent ta confiance. Et dernièrement, j'ai l'impression que quand tu viens de commencer, que tu as fait trois concerts et que tu veux demander à une salle une première partie ou quoi, c'est trouvez-vous un agent et revenez vers moi. Mais en fait, non, gros. C'est pas comme ça que ça se passe. Si t'as un peu d'ouverture d'esprit, tu comprendras que tu peux faire confiance à des groupes qui n'ont pas d'agent, et c'est pas parce que t'as pas d'agent que t'as un groupe de merde. Enfin. Nous, on a commencé, on n'avait pas d'agent pendant. Avant que Julien commence à booker pour nous, quand même une année de concert, je crois. Et à l'époque, on nous a fait confiance. On a réussi à faire une tournée en France de, ouais, que je disais, 3-4 jours que Mathieu a calé lui-même. Puis des plans à gauche, à droite, et puis seulement on a commencé à bosser avec Julien, qui est notre tourneur depuis. Et on travaille avec d'autres tourneurs sur les pays étrangers. Mais ouais, ça c'est une première barrière qui, moi, m'a un peu surpris dernièrement, des échos de copains qui commencent des groupes que je trouve super, et qui sont tout aussi légitimes que des grosses machines qui tournent dans des grosses salles, au fait. C'est pas moins bon, c'est pas moins bien fait, c'est tout aussi pro. Mais c'est juste, il y a ce truc, non, si vous avez pas d'agent, pourquoi vous m'écrivez? Ok. État d'esprit de merde, quoi. Côté professionnel, enfin, c'est un peu le revers du Mais en fait, professionnalisme. c'est ça, c'est la professionnalisation à outrance dans la musique, c'est ça peut te tuer un groupe, surtout quand ça arrive trop vite, en fait. Parce que si, enfin moi j'ai toujours adoré le parcours qu'on a avec Mathieu par rapport à la jungle, parce que encore maintenant on fait des tout petits plans comme des très gros plans, en fait. Et il y a ces trucs parfois qui arrivent à des groupes qui pètent tout de suite, et du coup, parce qu'il y a l'agent derrière, ça devient tout de suite très gros, c'est tout de suite grosse promo, tout ça. Mais je fais non, vous ratez un truc qui est hyper précieux, qui sont ces premiers instants, en fait, où il n'y a pas tout ça, et où vous faites des plans dans des bars avec 30 personnes qui sont à fond, et il se passe un vrai truc humain, et nous, c'est ce qu'on aime bien avec ce groupe, c'est voir toutes les facettes, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a tendance à se perdre, c'est justement. Non, non, c'est ouais, ce truc de parcours qui va progressivement. Enfin, ce qui est fait vite, généralement, c'est pas de bonne qualité, c'est bof, donc. Ouais, c'est. Y aller doucement, quoi, en douceur, et puis ça se développe. Et année après année, tu construis ton truc, quoi. Voilà. Thank you.
C'est comme ça qu'après on organisait des... avec l'assaut, on a continué à organiser beaucoup de concerts et donc on a toujours, comme il disait, on fonctionnait vraiment plus au coup de cœur. On ne se disait pas tiens, on allait voir les pages de groupes où c'était directement les groupes où on voyait des vidéos, on voyait s'ils étaient en tournée, on les contactait. Eux, on ne s'est jamais dit tiens, est-ce qu'ils ont un agent voilà, et donc voilà, on a organisé des dates et. Pour revenir sur la question d'avant aussi, ça dépend aussi de ton style de musique. Si tu fais un peu de la noise et tout, tu peux monter. Et à un moment, il y a une espèce de barrière invisible qui te fera que soit il faut faire des concessions si tu veux un peu monter au-dessus, ou alors soit il faut accepter de rester à ce niveau-là, à un certain niveau qui n'est pas. Et c'est vraiment difficile de sortir comme le phoque fait sur la glace, quoi. Et sinon, tu peux nous donner des noms de groupes que vous avez fait jouer dans votre boîte ? Alors. Voilà. Action Beat, Pneu, Le Réveil des Tropiques, Comme Textu, Des Lilous, Mad. Et après, ça remonte loin, il y avait quoi ? Nervouski, de G.I. Joe. Papaye. Magnetics, Feeling of Love, The Dreams, La Pince. Je sais pas, il doit en avoir 150, tu vois. After the upcast, early on, the miners would hole up there on Ludes to catch their breath, or a terminal disease if they were unlucky. Once regulars had died off or had their fill, the convicts rolled in, claiming a foothold over this discreet landscape through the copper moon of furs. Shipments of various nobility could be scaled, counted, or divvied up under the veil of insignificant surroundings. But eventually, thrill seekers as they were, boredom set in and got the better of them. As the drab and further rundown city skeleton was once again abandoned by its hosts. Months through the years, a half a dozen seasons lapped themselves over until the inbreds finally made the move. In a perfect world, societies can function and tolerate a wide diversity of circumstance. But this is by many standards an imperfect world. Imperfections often promote seclusion and general disposition. But those standards can be blurred within the city shell. Like a snail, moving through the mall.
pense que si elles sont subsidiées, c'est chaque année se casser la tête, à remplir des dossiers, à montrer patte blanche parce que t'as organisé ci et ça, expliquer pourquoi tu l'as fait, pour pouvoir encore continuer à garder les 5 employés, ne pas en perdre un. Ou... Enfin, moi, je trouve que ça doit être le plus chiant, en fait. Enfin, Rémi, tu devrais savoir mieux. C'est incroyable le nombre de documents, de pavés, de pièces justificatives que tu peux être amené à devoir remettre pour justifier ton activité, alors qu'il n'y a rien de tel que, une fois de plus, que la rencontre avec les gens, en fait. C'est-à-dire, tu veux savoir comment ça se passe chez nous? Est-ce qu'on fait de notre subvention? Ben, pas se voir. Et puis, on va passer 3 jours ensemble. Et on va te montrer comment on se bouge le cul pour que le lieu y vive. Voilà. Je pense qu'on va pas se plaindre, on va quand même pas mal le cul dans le beurre sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de lieux en Belgique qui ont des sous de l'État, de l'argent public, pour organiser des événements et faire vivre des lieux culturels. C'est un luxe. Ça, j'en reviens pas là-dessus. Mais par contre, ouais, comme dit Mathieu, la charge administrative, enfin, faire travailler quelqu'un, qu'est-ce que c'est casse-burne en termes de démarche et de juste justifier, tout le temps justifier, et puis remettre des rapports d'activité qui sont interminables avec des bilans comptables. Alors je dis pas, il faut une organisation, c'est normal, mais on manque peut-être de dialogue un peu et de... Il y a des tentatives de concertation, de créer du réseau, etc., mais... c'est parfois bien à la belge, quoi. Bien dans le n'importe quoi et bien dans l'inutile. Alors qu'on pourrait garder notre précieuse énergie et notre précieux enthousiasme pour l'investir dans l'art, en fait. Parce que c'est ça. Enfin, c'est juste donner la possibilité à des personnes de s'exprimer, de faire ressortir tout ça, des groupes de jouer, des artistes d'exposer. Voilà. Mais t'as toute une part dans le culturel où tu dois taper des blocs de texte qui seront lus qu'en diagonale par, par des gens qui s'imaginent être une espèce de jury du bon goût et de l'élite culturelle. Ouais, ça m'échappe un petit peu, quoi. J'ai un peu du mal. Thank you.